Dans cette vidéo, nous aimerions vous présenter quelques-unes de ces techniques éprouvées et couronnées de succès que les producteurs peuvent appliquer sur leurs terres agricoles afin d'améliorer leur situation. Les producteurs et les scientifiques ont observé que si les arbustes et les arbres sont brûlés, le sol est exposé au soleil, au vent et à l'eau et se dégrade. En revanche, si les arbres sont laissés sur place et que les feuilles sont coupées et laissées en décomposition sur le sol, elles enrichissent et protègent le sol, maintiennent l'humidité, fournissent des nutriments pour les autres cultures et protègent le sol de l'érosion. C'est ce que l'on appelle la technique du paillage. L'intégration d'arbres et de buissons dans les champs agricoles s'appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie est bénéfique pour de nombreuses raisons. Permettez-nous de vous présenter quelques-uns des avantages de l'intégration des arbres dans les champs de culture. Les arbres et les buissons peuvent augmenter la pluviométrie. Les paysages dépourvus d'arbres et de buissons sont plus secs avec moins de pluie. Les arbres et les arbustes fournissent de nombreux produits qui peuvent être utilisés pour la vente et la consommation. Les arbres fournissent de l'ombre aux personnes et aux animaux pendant la saison chaude. Les arbres fournissent du fourrage pendant la saison sèche lorsqu'il est rare. Les arbres et les arbustes peuvent être plantés en ligne comme des cultures vivantes pour éloigner le bétail des cultures et protéger le champ de l'érosion et du ruissellement. Certains arbustes et arbres peuvent fixer un nutriment très important pour la croissance végétale, l'azote, et par conséquent, peuvent fournir de l'azote à d'autres cultures. Il existe des espèces d'arbres particulièrement bénéfiques pour la zone sahélienne. Nous vous les présentons. Des arbustes de Gliricidia plantés en intercalaire avec des cultures augmentent le rendement des récoltes. Il est conseillé d'installer les lignes d'arbres d'est en ouest en suivant la course du soleil pendant la journée, de manière à ce qu'il y ait suffisamment de lumière pour les cultures situées entre les deux. L'Acacia albidia est une légumineuse qui fournit de l'azote. Il perd ses feuilles pendant la saison des pluies pour que les cultures bénéficient d'un ensoleillement suffisant. Ses feuilles et fruits servent de fourrage et de paillage pendant la saison sèche. L'acacia, Acacia radiana, est une légumineuse qui fournit de l'azote au sol et cultures et tolère des périodes de sécheresse prolongées. En outre, il est utilisé pour produire de la gomme arabique, une commodité précieuse. La Pileostigma, Pileostigma reticulatum, est une légumineuse qui s'est avérée utile comme culture intercalaire pour des cultures telles que le millet. Ses fruits peuvent être utilisés comme fourrage et la plante a des usages médicaux. On peut l'utiliser pour créer une clôture naturelle afin que les animaux ne puissent pas détruire les cultures. L'arbuste indigène Guéra, Guéra sénégalensis. Pendant la saison sèche, les arbustes comme le Guéra capturent les eaux souterraines avec leurs racines profondes, les libérant lentement à la surface et les rendant disponibles pour les cultures. Les feuilles des arbustes peuvent être facilement coupées et étendues pour couvrir le sol, améliorant ainsi la structure et la fertilité. Pour obtenir les meilleurs résultats, les cultivateurs avec beaucoup d'expérience et les scientifiques recommandent quelques bonnes pratiques. Il est recommandé de tondre les arbustes une première fois avant la saison des pluies et une deuxième fois pendant celle-ci s'ils repoussent vigoureusement. Il est important de protéger les arbres des animaux pendant les 2 ou 3 premières années. La plantation d'arbres et d'arbustes de la famille des légumineuses dans les champs est bénéfique pour le sol et le rendement des cultures parce qu'ils peuvent fixer l'azote. Une bonne pratique consiste à les planter dans les couloirs comme par exemple les pois de vache. Face au problème de la sécheresse, nous devons également réfléchir à des moyens efficaces de fournir de l'eau aux plantes. Les cordons périlleux se sont révélés très efficaces et faciles à installer pour collecter l'eau de pluie et augmenter la quantité d'eau disponible pour les cultures et les arbres. Les canalisations en pierre ralentissent l'écoulement de l'eau et sont placées sur une ligne de contour. Cela signifie que l'eau s'écoule sur les plaines en pente douce jusqu'à ce qu'elle soit ralentie par les cordons périlleux, 30 cm, situés sur la courbe de niveau. Pour trouver la courbe de niveau, on peut utiliser un outil simple, un cadre en A avec un pendule. Pour l'utiliser, placez un pied sur le cadre en A
et de placer l'autre pied sur le sol jusqu'à ce que le pendule se trouve au milieu du cadre en A. Cela signifie que les deux pieds sont au même niveau et que d'un pied du cadre en A à l'autre, il y a la ligne de contour. C'est sur cette ligne que l'on place les pierres. L'oseille est une autre technique bénéfique pour les cultures. Il s'agit en fait de petits trous pour recueillir l'eau de pluie. Pour garantir l'accès à certaines espèces qui ne sont pas facilement disponibles, ils entretiennent leur propre pépinière. Celle-ci comprend une zone de compostage. Voilà donc un exemple d'exploitation agroforestière en zone sahélienne qui offre de nombreux avantages aux agriculteurs.